Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Perspective Jeune. Nous allons explorer une question essentielle pour les chrétiens. Est-il possible ou souhaitable de nouer des amitiés avec des personnes qui ne partagent pas notre foi? Une question qui soulève souvent des débats au sein de la communauté chrétienne. Certains pensent qu'il faut se tenir à l'écart des non-croyants et préserver notre spiritualité. D'autres estiment au contraire que le dialogue, l'ouverture sont entre autres nécessaires. Qu'en est-il vraiment? Quels sont les enjeux et les défis de ces amitiés interreligieuses? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de la Chapelle internationale de la Fatade et du Temple du Calvaire qui apporteront leur éclairage sur ce sujet passionnant. Ne bougez pas, l'émission commence tout de suite. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour chers invités. Bonjour. Alors, je vous espère bien portant. Nous allons entamer l'émission et je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. Alors, vous nous direz ce que vous faites dans la vie comme fonction et les différentes tâches que vous exercez au sein de vos différentes églises de provenance. On commence. Bonjour. C'est Maxime. Okay. Je suis élève en formation à l'église. Je suis dans la jeunesse et je suis membre du groupe musical du Temple du Calvaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est Gloria Flinja. Je suis actuellement en stage dans une structure de la place et à l'église, je suis membre du groupe musical. Merci. D'accord, merci. Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Samuel Ténier. À l'église, je suis responsable des adolescents. Et dans la vie courante, je suis ingénieur génie civil et je travaille actuellement au ministère de la planification. Merci. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Azinobi Yawadatoua, étudiante en communication des entreprises et je suis cadreuse au sein du service multimédia du Temple du Calvaire. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Akwetevi Christiane. Je suis responsable administrative et financière dans un cabinet et je suis membre du service d'accueil. Merci. Merci. Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Georgette Mafou, assistante de direction dans un cabinet de la place. Je suis membre de commission de la communication au sein de la jeunesse Alpha. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est Hélène Cédo. Je suis juriste en transport et logistique. Et à l'église, je suis dans la commission communication de la jeunesse. D'accord. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour les spectateurs. Je suis Camille Sindiba. Oui. Je suis ingénieur de formation. Actuellement contrôleur dans un bureau d'architecture. Au sein de l'église, je suis membre du leadership de la jeunesse. Je suis également moniteur de la petite, également membre du groupe d'intercession. D'accord. Bonjour, chers tous. Bonjour. Je me nomme Aimé Clotilde Akanya. Je suis ingénieure en eau et assainissement de formation. Actuellement, je suis directrice des services techniques de la mairie de Doumacécé. D'accord. Je fréquente l'église des AD Temple du Calvaire. Et je fais partie du groupe musical. Merci. D'accord. Merci. Je vais donner la parole au frère à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Eric Kakapo. Oui. Je suis informaticien, précisément développeur de logiciels. Je viens de l'église Temple du Calvaire. Je suis membre du comité de la jeunesse. Je fais partie également du groupe musical de l'église. D'accord. Et j'encadre également le groupe musical de la jeunesse. D'accord, merci. Alors pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes dans votre émission de débat, d'échange entre jeunes chrétiens, Perspective Jeune. Alors le thème qui nous réunit ici ce matin, un chrétien peut-il nouer des relations d'amitié avec un non-chrétien? Alors je m'en vais, je vais vous poser cette question, chers invités. Alors est-ce que vous avez des amis qui ne partagent pas votre foi?
Est-ce que vous avez des connaissances, des personnes avec lesquelles vous partagez vos quotidiens qui ne sont pas forcément chrétiens comme vous et moi, qui aimeraient bien planter le décor rapidement? Oui. Effectivement, nous avons des amis, puisque qui parle d'amitié. Oui. De l'aspect mutuel et pour des objectifs bien précis. Donc, je suppose que nous avons des amis à l'école, nous avons des amis dans le cadre professionnel, puisque nous collaborons avec beaucoup de personnes qui nécessitent un niveau de confiance, un niveau de collaboration. Donc, je suppose que nous avons des amis. D'accord. Donc, personnellement, vous avez des amis qui ne sont pas forcément chrétiens comme vous. Oui. Et alors, quelle est la nature de ces amitiés que vous entretenez avec ces personnes-là? Principalement, mes amitiés sont d'ordre académique et professionnel. D'accord. Puisque nous allons à l'école, nous avons besoin des personnes avec qui nous allons travailler, acquérir plus de connaissances. Au boulot, nous côtoyons beaucoup de personnes, nous travaillons avec beaucoup de personnes. Donc, ici, à ce qu'on puisse se familiariser, tisser de bonnes relations, se comprendre et évoluer ensemble. Donc, ça veut dire que des amitiés se passent dans le cadre professionnel, à mon niveau, oui, à dans votre niveau académique aussi. D'accord. C'est généralement dans les deux cas que je me retrouve à avoir des amis. D'accord. Est-ce qu'une autre personne aimerait rapidement rebondir? Est-ce que vous avez des personnes, des amis, je précise, des amis, qui ne partagent pas forcément la même foi que vous, c'est-à-dire ces personnes ne sont pas forcément chrétiennes? Qui aimerait bien rebondir? Oui. Ok. Oui, pour ma part. Oui. Comme tout le monde, je le crois. J'ai des amis, essentiellement... voilà, que j'ai rencontré à l'école, certains depuis la maternelle et puis ensuite le cours primaire, le collège, le lycée, etc. Et à l'université, et voilà, dans le cadre professionnel, d'un cabinet à un autre, selon que je travaille ici ou ailleurs, je me fais des amis. Donc tous ne sont pas forcément chrétiens, mais sont quand même mes amis. Alors je vais te reposer la même question qu'au frère, quelle est la nature de ces relations d'amitié que tu entretiens avec tes amis? Ok. On va dire que tout part peut-être de la personnalité voilà, de mes amis sur des critères ou des valeurs que voilà, nous partageons ensemble, entre autres la loyauté, voilà, certaines choses qui font quand même qu'on s'identifie, voilà, qui permettent que nous puissions marcher, c'est-à-dire voilà, avoir des choses en commun. D'accord, merci. Une autre intervention rapidement. Frère Eric, vous avez un mot? Oui, aussi, également, spécialement dans le cadre du service. Tout à fait. J'ai aussi des collègues avec lesquels j'ai tant de causeries, de réflexions. On partage aussi des moments festifs, notamment lors du 1er mai, de fin d'année, fête de fin d'année surtout. J'ai aussi eu des amis par le passé, quand j'étais plus jeune, plus enfant. Qui n'étaient pas forcément chrétiens? Mais pas forcément chrétien, avant que je commence pas à travailler. Là, on avait plus de temps pour poser, vous amuser, tout ça. Maintenant, avec le service et l'activité professionnelle, on a moins de temps. Donc, je passe plus de temps avec mes collègues du bureau. C'est avec eux que j'entretiens plus de relations, je peux définir des relations d'amitié. D'accord. Une autre intervention, est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter? Oui. Par rapport à ton sujet, je dirais que à chaque niveau de la vie d'une personne, c'est normal ou bien c'est évident qu'une personne est un ami, que tu aies fréquenté ou bien que tu aies directement entré en apprentissage ou dans un domaine professionnel, c'est bien évident que tu es un ami. En ce sens, moi particulièrement, dans tout mon parcours jusqu'à maintenant, j'ai eu plein d'amis qui ne sont pas forcément des chrétiens. Les chrétiens. Qui ne partagent pas leur foi. Oui. Merci. D'accord, merci. Oui, allez-y. Peut-être pour ajouter à ce qu'ils viennent de dire, oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des personnes même qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, mais qui se sont proposées, par exemple, sur Facebook, à entretenir des liens d'amitié avec nous. D'accord. Merci. Alors, merci. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que chrétien en entretenant ces relations d'amitié avec des personnes qui ne partagent pas forcément votre foi? Oui, la parole, vous pouvez remettre le micro juste derrière. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés avec ces personnes qui ne partagent pas votre foi, mais avec lesquelles vous avez quand même ce lien on ne peut plus intime d'amitié?
Alors, on a l'habitude de dire que qui s'assemble finissent par se ressembler. Oui. Ce qui fait que quand tu noues l'amitié, la plupart du temps, avec les non-croyants, il va falloir que toi-même, tu sois, je vais dire, fort de caractère pour ne pas être corrompu par la plupart des agissements ou par... certaines sorties, certains, même les manières de s'habiller, les manières de parler et tout, tu peux finir par être corrompu par ces trucs-là. Donc, les défis sont d'ordre divers. D'abord, on peut dire que déjà, les sorties qui se font représentent déjà des défis. Des défis. L'habillement peut déjà représenter un défi. Un défi. Même le cadre de vie de la personne peut t'amener à te demander, bon, je suis chrétienne de la même promotion que telle personne qui n'est même pas chrétienne, mais voyons son mode de vie. Donc, ceci également représente un défi vraiment économique. Hein. Tout à fait. Tu te dis, je suis chrétienne, mais apparemment, le non-croyant, il me dépasse presque en tout. Donc, ça également représente des défis. Et maintenant, personnellement, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces défis-là auxquels vous êtes confrontés? Comme je venais de le dire, en tant que chrétien, sachant que tu es en amitié avec un non-croyant, il va falloir que toi-même, tu sois posé, tu saches qui tu es d'abord, tu connaisses ton identité de chrétien d'abord, avant d'accepter nouer ce genre d'amitié. Parce que certes, on peut avoir des amis non-croyants, mais c'est à nous de nous connaître d'abord, nous poser des limites. Savoir que ça, je ne peux pas faire ça en tant que chrétien, pour l'image de chrétien que je dois refléter, que je dois ressembler au... Je dois être un petit Christ, il va falloir que je ne fasse pas ci et ça. Donc déjà, en entamant la relation d'amitié avec le non-croyant, il va falloir se poser des limites et ne pas les extrapoler. D'accord, merci beaucoup. Une autre intervention, oui, frère Eric. J'aimerais aussi rebondir là-dessus. Oui, ce problème, en fait, c'est d'abord un problème de valeur. Oui. On est chrétien, on a d'autres valeurs qui sont les valeurs de Christ. Oui. Et vous savez, ceux qui ne connaissent pas Christ ont d'autres valeurs, les valeurs du monde également. Tout à fait. Donc, c'est souvent ce problème qui se pose entre eux et moi. Parfois, je note souvent la moquerie, l'orgueil, il y a la vie d'impudicité, vous voyez. Donc, ce sont des valeurs qu'on ne partage pas. Donc, ce qui m'aide, moi, c'est que j'essaie d'être moi-même, être ce chrétien-là. Et tout le monde sait que Eric, lui, c'est un chrétien. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas l'approcher. Tout à fait. Tu vois, donc déjà que tout le monde me connaît en tant que chrétien, ils savent moi aussi se positionner par rapport à moi. Il y a certaines barrières. Certaines choses. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce que je veux ajouter. D'accord. Que... D'accord. Oui, vous avez la parole. Pour ajouter à ce que les soeurs écoutent aussi, je voudrais ajouter aussi la différence des valeurs. Par exemple, les valeurs fondamentales ne sont pas les mêmes. Et parfois, quand vous commencez des discussions, il arrive parfois que les discussions se divergent et ça pose des problèmes. Et j'aimerais aussi ajouter aussi que pour pouvoir surmonter à ces défis, il faut que nager à contre-courant, c'est-à-dire reconnaître qui tu es, ton identité en Christ, et aussi accepter ces moqueries, parce que avec Christ, nous sommes toujours persécutés. D'accord. Vous reprenez toujours le micro. Vous avez tantôt parlé de certaines discussions où les points de vue généralement vont diverser, ne seront pas les mêmes. Mais dans ce contexte précis, vous, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous parvenez à appréhender ou à pouvoir discuter avec ces personnes qui n'auront pas les mêmes points de vue que toi, bien sûr? Alors, comment est-ce que dans cette situation précise, tu arrives quand même à t'imposer en tant que chrétienne? Je dois aller posément parce que, pour, par exemple, évangéliser quelqu'un, il ne faut pas que cela soit de la force. Oui, tout à fait. Il faut que nous allions en douceur. Et j'aimerais aussi partager ceci par rapport à un verset de 1 Jean chapitre 4, verset 6, qui dit que celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Alors, dans ce genre de discussion, il faut que j'arrive à m'affirmer qui je suis, mon identité, afin de pouvoir aller au-dessus de cette discussion. D'accord. Merci. Une autre personne aimerait rebondir sur le sujet. Oui, tu as la parole. Sur le sujet, moi, je dirais que déjà, avant de rentrer en amitié, c'est sur certaines bases.
comme les collègues l'ont dit, il y a forcément quelque chose qui t'a poussé à entrer en amitié avec la personne. Maintenant, lorsque les différences de point de vue arrivent, c'est là on sent vraiment l'homme chrétien ou bien la jeune, le jeune chrétien que tu es. C'est là on sent le caractère chrétien qui est en toi. Le chrétien ne va pas forcément vouloir s'imposer. Coûte que coûte, il peut se taire. Se taire simplement. Et son silence avec la grâce du Saint-Esprit va amener la personne qui est sur une différence de point de vue d'opinion, à comprendre que non, non, non. Si le gars a dit ça, il a redit, il s'est tué. Finalement, je vais y repenser pour voir si est-ce qu'il n'est pas dans le vrai avant de pouvoir prendre une décision radicale. Donc là, moi je dirais personnellement, je compte sur la grâce du Saint-Esprit. Oui. Il faut faire ce que toi tu dois faire et l'amener à dire Seigneur, bon, là où c'est arrivé, là, j'ai jeté mes forces dans ma bataille. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça ne peut marcher. Là, je vais mettre un point virgule et te laisser continuer. C'est ce que je dirais. D'accord. Merci. Parlons toujours des défis. Oui. Je voulais ajouter qu'il est important qu'une fois dans une relation, une fois dans une amitié, lorsque nous partageons certaines valeurs avec certaines personnes, il faut que déjà nous devions nous affirmer. C'est très capital au départ. Quand tu es dans un milieu où tu as entretenu une relation, il faut très vite qu'ils sachent qui tu es. Ça t'évite certaines discussions, certaines propositions. Donc, le fait de s'affirmer ne veut pas aussi dire qu'on impose nos principes de vie. Nous ne sommes pas là à imposer les gens nos principes de vie, mais nous vivons, nous les disons ce que nous sommes. Pour qu'ils ne nous mettent pas dans des situations qui nous imposent, mais qui nous font faire ce que nous n'avons pas fait. Autrement dit, eux aussi ne sont pas appelés à nous imposer. Maintenant, il revient à nous, lorsque nous voulons entrer dans une relation, dans une amitié, de connaître vraiment, comme ils l'ont dit, nos valeurs, nos forces, nos faiblesses, connaître nos limites. Pour savoir, voilà, dans telle relation, voilà là où je ne dois pas être. Voilà les bornes que je ne dois pas dépasser. Ça fait que, bon, la question va revenir après. Ça fait que lorsque certaines situations vont se poser, la personne sera probablement telle personne. Je ne peux pas m'approcher d'elle, je peux parler pour telle question, pour tel sujet, et là, tu es tranquille dans la relation d'amitié. Comme ça, nous protège, en tant que chrétien, de nous affirmer auparavant, mais de nous affirmer à l'aval de notre, par rapport à notre identité. D'accord. Merci. Quelque chose à rajouter? Oui, allez-y. Juste à ajouter par rapport à ce que le frère a dit. Oui. Le grand défi, c'est la compromission, de ne pas se laisser compromettre. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Connaissons nos valeurs, nous ne devons pas nous laisser compromettre d'autres. Lorsque nous tissons des relations d'amitié avec des non-croyants. D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parlons toujours des défis. D'accord. Alors, est-ce que votre foi chrétienne a des impacts sur ces amitiés-là? Est-ce que ça a des impacts? Est-ce que quelquefois, par exemple, vous êtes carrément peut-être refoulé ou vous vous faites des ennemis parce que vous êtes chrétien et que vous ne partagez pas forcément les mêmes croyances ou les mêmes points de vue que d'autres personnes? Est-ce que votre foi chrétienne a des impacts sur vos amitiés? À vous de le dire si ces impacts sont positifs ou négatifs. Merci beaucoup, Elodie. Je t'en prie, frère. Je dirais que l'impact, il y a généralement de l'impact. Il y a généralement de l'impact. Si je prends le cas d'un chrétien au hasard, quand vous rencontrez quelqu'un comme ami et tout ça, il y a l'impact dans deux sens. Tout à fait. Soit elle est négative, soit elle est positive. Donc, je dirais que pour nous chrétiens, nous devons avoir un impact positif parce que nous savons que notre vie chrétienne nous amène à la vie éternelle. Nous sommes sur le droit chemin et tout. Et donc, ce que nous recherchons, c'est d'avoir un impact positif sur les gens. C'est de s'affirmer, comme les uns et les autres l'ont dit. Il est question de se connaître, de l'identité. Et lorsque vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Il est généralement difficile qu'on ait un impact sur vous. C'est lorsque vous avez une crise d'identité, c'est là qu'il y a une influence négative sur vous. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on parle d'amitié, pour revenir sur le sujet, on n'est pas en train de parler
de commencer par faire la compagnie des gens qui, sciemment, nous faisons la compagnie des gens que nous savons que, voilà, leur vie, elle est mauvaise, mais tout le temps nous sommes là avec eux, tout le temps nous sommes là avec eux. Et c'est là la Bible dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. En ce sens, pour dire que il faut, les frères l'ont dit, il faut avoir des limites. Ouais. Savoir à un moment donné quelle est l'influence que cette personne que j'ai en face de moi a sur moi. Et lorsque nous commençons par détecter que l'influence commence par devenir négative, il faut prendre des résolutions. Peut-être se détacher, peut-être faire un peu de recul pour pouvoir enfin gérer. Parce que les amitiés ne doivent pas nous amener en enfer, comme on peut le dire ainsi. Ça doit plutôt nous amener vers la vie éternelle. Soit conduire les autres, ou nous-mêmes nous préservons pour nous conduire dans la vie éternelle. D'accord. Merci. Une autre intervention par rapport aux impacts, voilà, que votre foi chrétienne a sur les amitiés que vous entretenez avec des personnes qui ne sont pas forcément croyantes comme vous. Frère Eric, oui. Oui, ça me rappelle quelque chose s'est passé au bureau. Oui. J'ai discuté avec mes collègues de bureau un jour. Ils m'ont dit, tout le monde devait aller à l'église. C'est avec ça, ça nous aide à ne pas faire de mauvaises choses. J'ai dit, ben dis donc. Parce qu'à force de me voir, oui, de toute façon, non, je vis. Alors, ils ont compris que, ah, cette personne, c'est parce qu'il va à l'église, qu'il a une bonne morale, qu'il se comporte bien, qu'il ne s'implique pas dans les mauvaises choses. Oui. Bon, ça leur fait passer, ça leur fait déjà penser à aussi aller à l'église. C'est comme on dit souvent que la meilleure manière d'évangéliser, ce n'est pas notre propre vie. Quand notre vie est un exemple, on reflète Christ, c'est évangéliser plus les gens que lorsqu'on va vers eux pour leur parler de Christ. C'est ce que je vais ajouter. D'accord, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Oui, frère. Je voulais te rajouter que même nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de repères. Ceux même qui ne connaissent pas Christ, aussi, à un moment donné, ils ont besoin de repères. Vous avez remarqué que ces personnes-là, ils ne commencent pas à cibler des gens qui sont autour d'eux, oui, à qui je vais ressembler. À qui est-ce que je vais ressembler? Et lorsque toi, tu es chrétien, et que tu es dans cet environnement avec cette personne, et que tu as de bonnes valeurs, tu développes de bonnes valeurs, les gens savent que voilà, toi, tu ne fais pas tel, toi, tu ne fais pas tel. Parce que tu es la personne la mieux placée pour être un repère pour quelqu'un qui est en train de se perdre, qui veut avoir une bonne vie et vraiment reconsidérer sa vie. Et je pense que ça fait appel à... Ça fait que nous avons de l'impact sur certaines personnes. Des fois, nous ne le remarquons pas très rapidement. Mais lorsque la personne va pouvoir changer, oui, et quelquefois, cette personne s'approche de toi, tu vas remarquer que la personne devient de plus en plus proche de toi. La compagnie te demande, tu fréquentes dans quelle église, est-ce que je peux t'accompagner, vous avez tel problème, tel problème à l'église, est-ce que tu vas m'accompagner, tu ne m'invites pas. L'amitié, oui, c'est créé. Et tant que on n'était pas aussi proche. Aussi proche. Mais parce que la personne a vu que tu dégages certaines valeurs. Donc tu as de l'impact sur la vie. Donc il faut juste l'appeler qu'il y a des gens qui ont besoin de repères du tout. Donc ils sont appelés à vivre une vie qui fera que lorsque quelqu'un va vouloir et s'identifier à une personne, que nous sommes la bonne personne. La bonne personne a choisi. D'accord, une autre intervention? Oui, allez. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que le frère venait de dire, que nous devrions servir de repère aux non-croyants. Par exemple, au bureau, j'ai des collègues, la plupart du temps, ils font des after les vendredis soirs. Mais déjà, par. Qu'est-ce que tu désignes par after? Les vendredis soirs, ils ont l'habitude de se retrouver. Oui. Après le boulot, ou voilà, entre collègues pour se recréer. Pour manger, d'accord, se retrouver. D'accord, d'accord. D'habitude, ils ont tendance à aller jusqu'à 22h, 23h et tout. D'accord. Des after qui finissent par devenir des fêtes interminables. D'accord. Donc, la première fois qu'ils ont eu à m'inviter à ça, il y a un parmi eux qui a dit Christiane est chrétienne, hein. C'était possible. Et je me suis dit, bon, ceux-là, ils ont quoi? Christiane est chrétienne pour moi. La seconde fois, ils ont encore essayé de m'inviter. La personne avait refusé la dernière fois. Je vous ai dit qu'elle est chrétienne, elle ne me suivra pas. La seule fois où j'ai accepté d'y aller, je me suis présentée et arrivée. Tout le monde connaît les bières.
Donc j'ai dit non, moi je prends sucrerie. Que David me dit, je suis une petite parenteuse. Oui, oui. La personne qui disait Christiane est chrétienne, parce que la personne partage le même bureau avec moi. D'accord. On va dire, on partage nos quotidiens. Mm. La plupart du temps, on est ensemble. Elle est assez proche de toi. Voilà, elle est très proche de moi et la personne leur dit. Donc vous, vous croyez que Christiane, la chrétienne va prendre vos bières avec vous. Donc je dirais que cette personne a pris l'habitude de m'observer la plupart du temps. Et il y a des trucs, des cases dans lesquelles automatiquement la personne ne coche pas pour moi. La personne se dit, celle-là, il y a des trucs qu'elle n'aura pas accepté, donc elle ne me les propose même pas. Il y a des trucs qu'ils font et ils me mettent carrément à l'écart. Donc, au cas où cette personne voudra un jour s'identifier à une personne, elle se dira peut-être, bon, Christiane, la plupart du temps, vu les choses qu'elle fait, vu la manière dont elle se comporte au bureau, et peut-être vu les habitudes qu'elle a eu à adopter, je préfère la voir comme modèle peut-être dans les habitudes qu'elle aura à prendre. D'accord. Donc voilà un peu ce à quoi nous sommes confrontés. D'accord, merci Sœur Christiane. Une autre intervention. Alors, merci beaucoup, Élodie. Je t'en prie, c'est toujours dans la suite de ce que mes amis viennent de dire. Oui. Je pense qu'en tant que chrétien, nos actions parfois parlent plus fort que nos paroles. Tout à fait. Nous sommes là, nous parlons de Jésus dans nos relations. Mais est-ce que la vie que nous-mêmes nous menons, est-ce que ça encourage les autres, nos amis, à accepter Jésus? En tout cas, pour ma part, j'ai une petite histoire, si vous me permettez. Oui, allez. Alors, c'était deux amis qui étaient dans une classe. Oui. Et il y avait un camarade qui était vraiment différent de tout le reste. Et tout le monde se demandait pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça. Alors une fois, ils ont essayé de l'approcher pour lui demander, mais pourquoi tu te mets des limites? Tu es jeune, pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Et il a profité de cela pour leur parler de Jésus. Et il dit que l'impact que cela a laissé était grand. Oui. Pas parce qu'il est allé vers eux, oui, mais parce que la vie que lui-même il vivait, ça a attiré beaucoup de personnes. Alors je pense que c'est très important que nous revoyons nos façons de vivre dans nos relations. Merci ma sœur pour ce témoignage très édifiant. D'ailleurs, oui, une autre intervention. Je voudrais juste renchérir par rapport à ce que la sœur a dit. Oui. Je dirais, gloire à Dieu, nous avons Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Si nous voulons avoir de l'impact sur nos amis non-croyants, nous devons manifester le fruit de l'esprit. C'est juste ce que j'ai dit. D'accord, merci, merci beaucoup. Oui, frère, allez-y. Merci. C'est un peu pour donner influence. Tout à fait. D'une influence, je dirais, là, c'est pas moi, j'ai une influence, mais c'est quelqu'un qui est... Toi. Si aujourd'hui je me tiens, c'est grâce à un frère, oui, je peux le dire ainsi. Quand on était sur le campus, généralement, comme les frères l'ont dit, il y a des gens qui vont vous observer, qui vont vous regarder, qui vont essayer de... qui soupirent à être comme vous. Oui. Mais peut-être qu'ils ne vont pas l'exprimer. Oui. Mais quand ils vous observent, moi c'était le cas. Parce que c'est vrai, ça peut être aussi dans l'église et tout ça. Je voulais avoir une vie... qui honore le Seigneur, servir le Seigneur et tout, mais comment le faire, je n'y arrivais pas. Ouais. Et il y a un frère que j'observais et qui m'a véritablement impacté et qui m'a un jour, qui m'a invité, qui a discuté, je lui ai dit non, il faut laisser cette histoire. Mais au fond de moi, je savais que fallait que je change ma vie, et tout ça. C'est juste pour donner ce témoignage-là. Ouais. Que ce frère a eu un impact positif sur ta vie. Et quand j'ai accepté venir à Christ, à commencer par mettre ma vie en règle et tout, ce frère n'a jamais cessé d'être un repère pour moi. À chaque fois que je le vois, quand je suis en contact avec lui, il m'a appris plein de choses. Quand je le vois, quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, quand tu penses à lui, tu arrêtes parce que tu te dis non, le frère... Il n'est pas comme ça. Oui, oui. Je ne sais pas si vous voyez. Parfaitement. Donc, c'est juste pour dire que peut-être dans l'église, on est dans l'église, ce n'est pas forcément des gens qui s'autoproclament non-croyants, on te griffe, comme nous tout proclament non-croyants. Mais peut-être dans notre église, dans notre assemblée, il y a des frères, des gens qui viennent à l'église, qui voient tel jeune, qui te voient, qui ont envie de vivre une vie comme toi. Oui. Donc, c'est juste pour dire que
partout tu vas, la façon dont tu te comportes à l'église, au service, tu dois rester chrétienne. Chrétienne. Mmh. Avoir les mêmes valeurs, la même identité chrétienne. Mmh. Et forcément, tu impactes. Tout à fait. Forcément, tu impactes. Que tu parles, que tu ne parles pas, tu impactes. Mmh. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention, oui, ma sœur. Merci beaucoup. Un petit témoignage aussi que je voulais partager. Oui, vas-y. Là où je travaille actuellement, en tout cas, le bureau que j'occupe, ce n'est pas celui que j'occupais les premiers mois. D'accord. Du coup, on m'a emmenée dans ce nouveau bureau-là et il y avait celui qui est en face de moi qui aimait dire souvent, pas forcément en s'adressant à moi, il aimait dire que voilà, le bureau, enfin, c'est notre seconde maison. Un peu pour dire que ta véritable nature finira par transparaître puisque tu passes toutes tes journées ici. Oui. Tu pourras faire semblant d'être sérieux pendant un temps, mais si tu es ton comédien, un jour on saura que tu es ton comédien. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que, bon, moi, je me disais, j'étais nouvelle, je ne parlais pas beaucoup, j'étais un peu dans mon coin, tout ça. Mais je suis une personne ouverte, une personne quand même extravertie. Donc, lorsqu'il a remarqué ça, il a commencé par, lorsqu'on faisait la discussion, essayer d'emmener certains sujets, juste comme ça. Donc, il voyait que je n'étais pas réactive. Il a fait ça une, deux, trois fois. Et en fait, moi, je me suis habituée à ce qu'il me taquine, à ce qu'il fasse exprès de me pousser à parler. Et voilà, à chaque fois, je regarde, je ne sais pas, parce qu'il y a des discussions, je ne veux pas entrer dedans. Et ce qui m'a interpellée, c'est lorsqu'il a arrêté pour commencer avec une autre stagiaire qui est juste à côté de moi et pas directement en face de lui. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il a fini par cerner que je ne rentre pas dans certaines discussions. Oui. Donc, j'ai vu que sans forcément parler, sans forcément lui dire, tiens, vraiment, on peut, tant de fois, on était peut-être en train de rire ou de discuter sur un autre sujet, il glisse, tout de suite, je me retire et tout ça. Et puis, pareil, quand il s'agit de débats, tout simple comme boire de l'alcool et tout ça, je leur dis que moi je ne prends pas. Ils se disent non, c'est peut-être les paroles, c'est peut-être je ne sais pas, pour sauver la face, c'est peut-être parce que je ne tiens pas l'alcool et tout ça. Mais non, ce n'est pas tout ça. Et puis aussi, quand je finis au boulot, souvent je suis à l'église peut-être 3 ou 4 soirs dans la semaine. Donc je suis toujours pressée pour partir. À chaque fois il me demande où tu vas. Tu vas où? Au bout d'un moment, un jour je me rappelle, il m'a appelé, il avait besoin d'un service, tout ça. Il m'a appelé, j'étais à l'église. Et quand j'ai décroché, il m'a dit, tu es pas bien. Donc c'était un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Parlons des impacts. Oui. Oui, j'aimerais faire ma soeur. Un jour aussi. Soeur, à l'école. Oui. Il y a des amis. Ils ont des impacts négatifs sur nous. Oui. Mais nous, notre mission sur cette terre, c'est d'avoir des impacts positifs. Positifs, exactement. Pour les amener à se convertir aussi. Maintenant, il y a des fois où ils te font certaines propositions que vraiment, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Je me rappelle un jour, c'était à l'occasion d'un anniversaire d'une amie. Oui. Elle avait organisé une fête. Et je lui ai demandé, tu vas faire soirée pyjama? Elle m'a dit, mais comme toi, tu es hâtée, c'est pourquoi tu es alors, c'est ça, quoi. Notre manière de s'habiller, notre façon de parler, doit plus impacter les autres. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez que pour vous, qui êtes chrétien, l'occasion d'avoir des amitiés avec des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens est une opportunité pour parler du Christ? Ou est-ce qu'il faut se rétracter? Est-ce qu'il faut, parce qu'on est chrétien, on reste dans son coin? Moi, je suis chrétien. Ils sont en train de faire leur manière. Moi, je ne suis pas dans ça. Ou c'est une occasion pour vous, en tant que chrétien, de témoigner cette foi-là à ces personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens comme vous et moi? Oui, frère? Merci. Oui. Permettez-moi de parler beaucoup. Non, on est là pour ça, justement. Je pense que dans Jean, le chapitre 7, Jésus prend le temps de parler de la conscience. Il dit que là, tu m'envoies dans le monde, mais là, moi, je pars. Ce que tu m'as donné, ils sont toujours dans le monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder et de les préserver. Moi, je les envoie comme si tu m'as envoyé. Donc, autrement dit, il faut dire que nous qui sommes chrétiens, que nous sommes dans le monde, nous sommes en mission.
Jésus nous envoie comme son monde. On ne peut pas se dire qu'on est chrétien et se dissocier du monde. C'est-à-dire que nous sommes en train de refuser la mission que la le mission. Seigneur nous donne. Donc nous sommes dans le monde, nous avons une mission. Voilà, nous avons déjà reçu des témoignages qui confirment que nous devons rester dans le monde et nous affirmer. Je voudrais faire ma chérie avec un témoignage que j'ai vécu il y a 3 semaines. C'était l'anniversaire de la femme de mon cousin. Je ne m'attendais pas à aller retrouver la personne. J'allais juste pour les rendre visite. Quand je suis arrivé, il était venu avec beaucoup de camarades. Il est arrivé avant de lui à la maison. Mais il est arrivé avec plein de camarades. Et ça, je me suis rappelé que c'est l'anniversaire de sa fille. Et ils ont commencé tout à l'heure par animer, ils ont fait beaucoup de gâteaux, on a mangé. Heureusement pour moi, la fête n'était pas à la maison. Il fallait ressortir au dehors pour aller dans un pouvoir, dans une fête. D'accord. Et prendre de la boisson. Et en même temps, quand il disait à ses camarades, allons-y, il s'est rappelé de moi. Il dit, ah, lui c'est un passeur. Il va pas aller, c'est qu'il va pas aller. Donc, il va rentrer. Ça que je ne pouvais pas lui dire que je veux partir pour rester, c'est mon grand frère. Exactement. Je ne peux pas lui dire, bon, je ne veux pas aller. Directement, c'est comme si, mais heureusement. Heureusement. Qui me connaît très bien. Tout à fait. Et qui l'a su me guider. Donc, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a fait ça, mais ça m'a touché. Parce que ceux qui étaient là, c'était des amis de longue date aussi, qu'on a grandi ensemble au village. Mais eux, ils ne connaissent pas ma position dans le Seigneur. Lui, il connaît ma position dans le Seigneur. Donc, ça l'a permis, sans que je ne parle, lui, il a parlé à ma place pour dire à ceux qui étaient là que voilà, telle personne, elle est chrétienne. Elle est pasteur. Et de suite quoi, pasteur? Voilà, je suis pasteur. Elle ne prend pas cette personne. Donc, nous allons la laisser repartir. On va aller continuer face à nous. Donc, juste pour renchérir, pour dire que nous sommes des missionnaires. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas se séparer. Voilà pourquoi nous devons connaître nos forces, nos limites, nos valeurs. Pour ça, où est-ce que je ne dois pas mettre pied pour ne pas compromettre ma foi, pas compromettre mon témoignage. D'accord, merci. Oui, vas-y, frère. Ok, je dirais par rapport à ce sujet que, déjà, la Bible est un modèle de vie. Pour nous, aujourd'hui, qui vivons sur la terre, que tu sois chrétien ou pas, la Bible, c'est un modèle de vie. Et pour cela, il y a un de mes diacres qui disait souvent, qu'est-ce que ça te coûte, mais qu'est-ce que ça te coûterait de mettre en œuvre ce que dit la Bible et qu'à la fin, Jésus ne venait pas. Ça ne va rien te coûter. Exactement. Parce que quand même, tu as bien vécu et le monde aura retenu cela de toi. La deuxième chose, c'est que la Bible dit que donc que vous mangiez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une mission qui nous oblige à ce que, où que nous soyons, il faudrait que, dès que nous partons, on dépose une trace. Et la trace qu'on doit déposer, c'est Jésus. Si tu arrives à faire ça, tu as réussi ta mission comme le grand frère le disait. Donc, est-ce que l'amitié et notre foi chrétienne est une opportunité de témoigner de Christ? Je dis, ce n'est pas une opportunité, mais c'est une obligation. Parce que déjà, si tu es obligé, selon la parole de Dieu, à mener une bonne vie, à impacter les autres, par ton vécu, ta manière de faire, ta manière de procéder, c'est sûr que ça va arriver un moment où les gens que tu impactes devant te demander, mais monsieur, comment tu fais? C'est quoi ton secret? Tu vas leur dire, c'est Jésus. C'est tout Jésus. Simplement. Là, tu as déposé la trace de Jésus. Tu as témoigné de Jésus. Donc, ce que je dirais en ce moment, pour nous qui avons eu cette grâce de connaître Christ, c'est de tout faire pour que dans nos gestuels, dans nos comportements et tout, qu'il y ait ce caractère de Christ qu'on fait valoir petit à petit. Même si on n'a pas le courage de parler pour le moment, il faudrait que dans nos gestuels, dans nos comportements, on dépose peu à peu cette semence. Et lorsque Dieu permettra à ce qu'une question viendra, monsieur, c'est quoi ton secret? Comment tu arrives à accumuler tout ça, mais à vivre aussi bien? Il n'y a pas de secret si ce n'est Jésus-Christ. Je pense que ça mérite des ovations. Hein? Alors, une autre intervention. Merci. Oui. Je voudrais juste dire que nous sommes la lumière du monde. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 5, 14 que nous sommes la lumière du monde. Et nous savons que la lumière a plus d'impact dans les ténèbres. Maintenant, je m'en vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu dans une maison en pleine journée où on allume toutes les lumières? Non, ce n'est pas possible parce qu'il y aura gaspillage d'énergie. Nous sommes censés briller
dans nos lieux de culte, nos lieux de service, nos lieux d'activité. Et ce n'est pour rien que nous sommes entourés de non-croyants, que ce soit au service, que ce soit à l'hôpital. J'irai même plus loin, disant, dans notre gouvernement, tous ne sont pas chrétiens. Tout à fait. Nous sommes censés briller et donner de l'impact. De l'impact. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une autre intervention. Oui, ma sœur. Oui, dans le même sens que ce qu'elle vient de dire. Ça me rappelle ce verset-là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors, c'est une mission que nous avons, bien plus qu'une opportunité. En cela, nous voyons une mission. Parce que nous ne pouvons pas gaspiller notre énergie en tant que chrétiens. Nous sommes là pour briller, pour illuminer, comme elle le dit. Amen. Mais en même temps, cela soulève une question de vigilance. Parce que ce n'est pas en allant pour apporter la bonne nouvelle. Si nous-mêmes, on n'est pas bien assis, au contraire, c'est nous qui serons détournés. Donc, j'aimerais aussi soulever la question de vigilance. D'accord. Merci. Merci. Je veux rebondir sur cette question de vigilance dont elle parlait. Je me rappelle, j'étais avec mes collègues. Il y en avait aussi un qui était background chrétien. D'accord. Mais qui était tout le temps avec mes autres collègues. Donc, quand je me suis rapproché, ils ont dit, toi, on dirait que tu es assemblée de Dieu. Je dis, attends, comment c'est ça? Ils ont dit, non, ta manière de te comporter, même ton habillement, c'est assemblée de Dieu. Puis l'autre collègue a dit, bon, moi, si je suis assemblée de Dieu, ils ont dit, non, toi, tu n'es pas assemblée de Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que sa manière de vivre ne reflétait pas Christ. Mm-hmm. On n'arrivait pas à le classer en tant que chrétien. C'est comme si sa lumière ne luisait pas. Il était confondu avec les ténèbres qui étaient au service. D'accord. Donc, c'est important qu'on soit vigilant, qu'on puisse vraiment être cette lumière-là que Christ nous demande. D'accord. Alors, frère Eric, je reste toujours avec vous. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à un chrétien sur l'amitié ou la relation qu'il entretient avec un non-croyant? Justement, alors, vous venez de donner l'exemple de l'un de vos collaborateurs. Voilà. Voilà. Alors, on commence d'abord par la vigilance, comme elle a dit. Oui, la vigilance. La première chose, c'est d'abord, il faut te connaître toi-même. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es censé représenter dans la société? Comme on le dit, la Bible nous dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc quand nous allons dans le monde, nous sommes censés être la lumière du monde, le sel de la terre. C'est-à-dire que cette lumière, ce n'est pas notre lumière, c'est la lumière de Christ que nous transportons avec nous. Donc nous devons refléter les valeurs de Christ, les attitudes de Christ, la sagesse de Christ, l'intelligence de Christ qui est en nous. Donc nous ne pouvons pas nous confondre au monde. La première chose, c'est, comment dire, être dans le monde en étant séparé. Ne pas être englouti, mais en étant lumière dans la ténèbre, comme on a l'habitude de dire. C'est la première chose. La deuxième chose que je conseille, déjà, pas cette lumière que tu es, ne commence pas à attirer les gens vers toi. Donc, quand l'occasion se présente, profite-en pour en témoigner. C'est comme le collègue dont je parlais tout à l'heure. Quand je voulais venir dans mon bureau, j'ai profité pour lui parler, pour lui donner quelques conseils. Il a dit, bon, d'accord, que je vais essayer de changer les choses pour me mettre à l'aise. Bon, c'est bon, fais-le, Dieu sera avec toi. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord. Alors, justement, on y va avec les conseils. Est-ce que vous avez des conseils éventuellement à prodiguer aux chrétiens, bien sûr, aux jeunes chrétiens, ou aux chrétiens en général qui nous suivent par rapport à ces liens d'amitié avec des non-chrétiens? Oui. Je voudrais peut-être juste encourager un de mes frères, bien une de mes sœurs qui m'écoute. Nous n'avons pas de choix que de vivre dans ce monde. Et nous n'avons pas de choix que de rendre témoignage. Vous savez, nous, au niveau des... Pas pour faire l'éloge de notre dénomination. Mais nous avons des principes. Et l'Église nous encourage à certaines manières de vivre. Vous avez remarqué, nous sommes venus ici, notre habillement... est différent. Il faut que lorsqu'on te voit, sans que tu ne parles, tu marches, qu'on sache que telle personne, qu'on puisse arriver à te définir. Tout à fait. C'est déjà un grand témoignage. Sans que tu ne parles, qu'on puisse arriver à te définir. Donc voilà pourquoi nous qui sommes là, nous sommes jeunes, et la plupart de nous, nous sommes fondus dans le monde. Oui. Et le monde, on est moulé dans le monde. Ça fait que beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes parmi nous. Nous voulons nous identifier pour nous, au lieu que le monde s'identifie. Je voudrais juste encourager un jeune à prévoir d'abord ce qui est visuel tout à l'heure, c'est notre habillement, notre coiffure. Et pour ça, nous, on ne blague pas. Parce que je ne veux pas te voir te comparer ainsi. Je ne veux pas te voir te comparer à quelqu'un du ghetto. Il faut que lorsque tu vois, que tu ressentes vraiment
quelqu'un qui présente l'image de Christ. Exactement. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Les princes et les princesses ne servent pas n'importe où. N'importe où nous sommes, nous devons rendre un témoignage et c'est le témoigner visuel. Pas qu'on dise ce qu'on voit est plus fort que ce qu'on dit. Oui. Voilà pourquoi des fois il nous est difficile de partager le Évangile à ceux qui sont avec nous à la maison. Ceux qui sont avec nous dans leur famille. Vous savez, c'est un peu compliqué de partager l'Évangile avec eux. Moi, je suis plus à l'aise avec les gens qui sont au dehors. Parce que, bon, eux ne nous connaissent pas. Ne nous connaissent pas. À la maison, c'est trop compliqué. Parce qu'on te connaît comme la soeur venait de nous. Oui, oui. C'est comme un quotidien avec eux, ils te connaissent parfaitement. Parfaitement. Donc, nous devons refléter vraiment, faire. Vraiment une grande effort. Nous ne devons pas nous mouler dans le monde, mais c'est le monde qui doit s'identifier à nous. C'est ce que je vous avais dit. Alors, une autre intervention, parlons toujours des conseils. Oui, chère sœur. Oui, comme le frère vient de le dire, il va falloir qu'en tant que chrétien, nous puissions refléter en quelque sorte la chrétienté à laquelle nous nous identifions. Je dirais que moi, dans ma famille, la plupart, ils sont des non-croyants. Et la dernière fois, j'étais allée à l'église un dimanche matin. Comme je venais de le dire, je suis membre du service d'accueil. Et en essayant d'ouvrir la porte, je vois ma tante. Et elle m'a dépassée sans même me saluer. J'ai dit bonne arrivée, elle m'a dépassée, elle est partie s'asseoir. Et arrivée à la maison, je lui dis oh, t'as si ou quoi les tiens, viens me dire oui. Et un mois après, dans nos discussions, elle me disait que à la maison, arrivé un moment, tout le monde a arrêté d'aller à l'église. D'accord. Malgré que moi, j'ai déménagé, j'allais à l'église les dimanches après le culte, j'allais chez eux. Chez eux. Je passais le dimanche avec eux et je rentrais. D'accord. Donc, que malgré tout ce qui se passe, moi, je continue, je viens, je garde ma joie. Je suis là, je passe mon dimanche avec eux parce que je n'ai nulle part où aller. Donc, quand je n'ai rien à faire, soit je suis chez eux, soit je suis à la maison. À la maison. Je les appelle en visio et on se parle et tout. Donc, la manière dont j'ai gardé la joie, là, cette foi-là que j'ai, malgré que les dimanches d'habitude, on avait l'habitude de rentrer avec mes frères, malgré que eux ils aient arrêté de venir à l'église et tout, moi j'ai continué et elle, ça l'a encouragée. Elle s'est dit que c'est peut-être à cause de tout ce que je continue pas faire là, que l'Éternel n'arrête pas de me bénir. Amen. Que l'Éternel n'arrête pas de faire des trucs parce qu'il fut un temps j'ai traversé une situation où elle s'est dit si l'Éternel a pu sauver celle-là, c'est que c'est par rapport à sa manière de tenir. Que c'est ce qui l'a poussée et elle a commencé par me suivre. Et bizarrement, le dimanche dernier, rien que le dimanche dernier, j'ai vu son fils qui Amen. Est là. Donc c'est nous, on n'a même pas besoin de parler quelques fois. Tout à fait. C'est la manière dont nous nous comportons qui peut parfois pousser les autres à nous suivre. Tout dans, à fait. Et dans notre vie de chrétien. D'accord, merci. Une autre intervention, oui, ma sœur. Merci. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que, évidemment, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux gens. Alors, j'aimerais nous appeler à la prière, de prier pour nos amis qui sont les non-croyants, parce que nous sommes appelés à les amener à Christ. Donc, je nous appelle à la prière, de prier pour nos amis chrétiens. Merci beaucoup. Oui, ma sœur. Oui, comme elle vient de le dire, je pense que nous devons aussi commencer surtout par l'amour. Oui. Parce qu'une fois que nous aimons quelqu'un, c'est facile de prier pour cette personne-là. Exactement. Surtout pas de jugement. On ne va pas se dire, toi, tu vas aller en enfer avec la vie que tu mènes. Oui. C'est nous qui allons, c'est nous les âmes qui allons au ciel. Toi, ton nom est déjà écrit en enfer. Non, pas ce jugement-là. Mais d'abord, les aborder avec amour. Discuter avec eux. Et comme nous tous nous venons de le dire, que notre façon de vivre soit déjà un témoignage. Un témoignage. Merci. D'accord, oui. Merci beaucoup. Oui. Je dirais deux choses. Oui. La première, c'est que lorsque vous rentrez en amitié, lorsque tu veux rentrer en amitié, oui. Le conseil tout le monde, Maxime, je te donnerai, c'est de te connaître d'abord. Oui. Connais la nature que tu portes. Oui. Pas n'importe qui pour faire n'importe quoi, dit-on souvent. Donc il faut connaître déjà ta nature. Maintenant, lorsque tu connais cette nature, il faut savoir que la meilleure chose
que tu peux offrir dans une relation d'amitié, oui, c'est Jésus. Mm-hmm. Si tu arrives à satisfaire à ces deux conditions, je te rassure que tu as réussi ton amitié. Merci beaucoup, cher frère. Oui. Alors, il y a un cas qui me vient à l'esprit. Oui. C'est le cas d'un quelqu'un qui est fraîchement converti. Tout à fait. Mais qui était en amitié avec des païens. Ils avaient peut-être de mauvaises vies. Alors, ce genre de personne, qu'est-ce que je peux lui conseiller? S'il ressent que cette amitié l'influence plutôt négativement, oui, comme il est au début de la foi, il n'est pas encore bien enraciné dans le Seigneur, peut-être mieux qu'il prenne un peu de recul. Mm. Qu'il passe plus de temps avec des frères et sœurs dans la communion fraternelle, oui, plutôt qu'avec ses amis qu'il avait avant. Il est toujours les voir de temps en temps, mais qui arrive à faire la séparation, savoir les choses auxquelles il ne doit plus participer et prendre un peu du recul. Ça l'aidera. Allons toujours dans le même sillage que vous, frère. Oui. Est-ce que un chrétien, autant pour moi, ne doit pas avoir ce lien d'amitié avec un non-chrétien? Est-ce que forcément, en tant que chrétien, tu ne dois pas entretenir des relations avec une personne qui n'est pas chrétienne? Est-ce qu'il faut proscrire cela, selon vous? Bon, je ne pense pas qu'on doit proscrire. Mm. On a vu depuis le début de l'émission jusque là que c'est important qu'on soit en contact, oui, avec les personnes, non-croyants. Mm. Qu'on soit en contact avec eux pour les évangéliser. Tout à fait. Mais comme on l'a dit aussi, il faut se connaître soi-même. Oui. Donc si tu vois que la relation t'influence soit négativement, plus que tu n'influences, oui, là, il y a une question qui se pose. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une bonne stratégie. D'accord. Soit tu prends un peu du recul, ou bien tu... Je ne sais pas comment. Prends du recul d'abord. Essaye de voir, puis de communier avec Dieu, voilà, pour mieux te construire en Christ d'abord. Avant. Mm. Avant de construire cette relation. Mais si avec quelqu'un, une relation, une personne dans le monde qui n'est pas. Il y a des gens qui sont des païens, mais qui n'ont pas de très mauvaise vie en tant que ça. Tout à fait. Mais qui peuvent plutôt plus t'apporter à toi, même sur le plan des valeurs professionnelles et autres. Tout à fait. Donc, dans ce genre de cas, tu es libre. Continue la relation, continue l'amitié comme auparavant. Tout en t'enracinant davantage dans le Seigneur. D'accord. Que je... Merci. Une autre intervention par rapport au conseil à prodiguer. Merci. Oui, pour ma part, ce sera toujours ça, de se connaître soi-même. Oui. En fait, l'image que j'ai dans la tête, c'est quoi? C'est nous avons la lumière, nous avons Jésus-Christ. Mm. Alors, c'est pas que nous sommes déçus, mais pour caricaturer, je dirais, imaginons que nous soyons sur une table, d'accord, nous soyons debout sur une table. Oui. Enfin, normalement, on n'est pas forcément équilibré, c'est-à-dire qu'on est debout, c'est à tout moment, on peut tomber. On peut tomber. Maintenant, lorsqu'on veut tendre la main à quelqu'un qui est au sol, pour peut-être l'aider à monter, c'est-à-dire que si on n'est pas bien posé sur la table, la personne va nous tirer vers le bas. Et on risque de tomber aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'au final, vous deux vous retrouvez dans les mains pétrin, pardon. Et c'est ce qu'on doit éviter. Donc, se connaître soi-même, ça revient à... vraiment savoir qui nous sommes. Si par exemple de nature nous sommes, je vais dire je suis quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. Vraiment, c'est de nature, pour tout et pour rien, j'arrive pas forcément à dire non. Je pense que c'est un trait de caractère qu'il faut quand même travailler. C'est pas pour être méchant, mais c'est surtout pour ne pas se retrouver à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire depuis le départ. Tout à fait. Donc voilà, savoir qui on est. Et puis ne pas hésiter à inviter ceux qui sont autour de nous. Des fois, on répond à la place des autres. C'est-à-dire, dans notre tête, on se dit, tiens, si je l'invite, il va dire non. Oui. Alors que c'est pas forcément ça. Peut-être que la personne, en fait, elle n'attendait que l'invitation. Oui. Dans le témoignage du frère Samuel, je me dis, si cette personne-là qui admirait, à qui il voulait s'identifier, à qui il avait envie de ressembler, si une personne a dégamé à un moment donné, il aurait perdu et lui et le frère Samuel, en fait. Donc nous devons être à tout moment, autant bien pour nous que pour les autres, des personnes, des chrétiens, quoi, c'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire en tout lieu, en toutes circonstances. Mm-hmm. Merci. Merci, ma soeur. Oui. Merci, ma soeur. Je voudrais juste dire. Jésus faisait la compagnie des pharisiens, mais ce n'est pas pour autant qu'il se laissait influencer par les pharisiens. D'accord. Et la parole de Dieu nous demande d'être des témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre, pas seulement avec les chrétiens croyants, mais aussi avec les non-croyants. D'accord. Donc, à nous de savoir comment faire. Heureusement, nous avons aussi le discernement. Nous avons reçu le discernement. Tout à fait. Nous sommes des éclairs. Tout à nous de savoir comment nous comporter avec les non-croyants.
D'accord. Merci, merci ma sœur. Nous voici arrivés au terme de cette émission, fidèle téléspectateur de la radio-télévision Jésus vous aime. Entre cette question délicate, bien sûr, des amitiés entre chrétiens et des non-chrétiens. Comme nous l'avons vu, chers téléspectateurs, il n'y a pas de réponse unique ou définitive. Hein. Cela dépend bien sûr des facteurs et de la façon dont chacun gère ses relations. L'essentiel est de garder à l'esprit que notre foi ne doit pas nous couper du monde, mais au contraire nous pousser à dialoguer, à écouter et à partager avec ceux qui n'ont pas la même croyance que nous. Cela demande bien sûr de la vigilance et surtout de la sagesse, mais c'est un défi que beaucoup de chrétiens relèvent et que nous, en tant que chrétiens, nous allons bien sûr relever. Merci à nos invités du jour pour leur éclairage. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci.